Bandera controlada. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, bonjour, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Comment vous allez ce vendredi? Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum, au maximum, au maximum. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons... Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta faveur. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, merci Seigneur pour cette grâce que tu me donnes et que tu donnes à mes frères, mes soeurs dans le monde entier. Merci pour ce moment extraordinaire que nous allons passer ensemble. Seigneur, sois ma source d'inspiration et accorde-nous la grâce. La grâce, la grâce vraiment d'accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Je prie pour tous ceux qui partageront cette vidéo partout. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur multiplie vos ressources dans le nom souverain de Jésus. Plus tu partages, plus le Seigneur te bénit. Plus tu partages, plus la main de Dieu parle en ta faveur. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, je le déclare. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, le week-end, il s'annonce comment pour chacun de vous? Ce soir, il faut le dire, j'ai atmosphère de miracle à l'habit. Je le dis à tous mes bien-aimés qui sont connectés à distance de ne point manquer à ce grand programme, à ce grand rendez-vous. Ce soir, à partir de 17h à l'habit. Donc, soyez en direct très nombreux. Je vais vous parler du mystère de Keturah. Keturah, la femme inconnue. Oh, Dieu nous communiquera quelques grâces à travers cet enseignement. Ce soir, à partir de 17h, soyez connectés sur ma page et que le Seigneur vous bénisse. Je parlerai de Keturah. Keturah, la femme inconnue. Alors, nous verrons ce que Dieu est capable de faire dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci parce que tu es vivant. Donc là, je suis ce matin ici parce qu'on va parler de certaines choses. Le programme de Douala, je vais apporter des modifications, je pense, ce soir, s'il plaît à Dieu. On va apporter des modifications sur ça. Vous savez, on va aborder le sujet de mon remariage. Je dois parler de ça parce que je pense que c'est important d'en reparler. On doit en reparler. On doit en parler, pas en reparler.
Mais je n'ai jamais parlé de ça. Donc, s'il vous plaît, partageons la vidéo à un maximum de personnes. À un maximum de personnes. Ce matin, que chacun attache bien sa ceinture. Hier, j'ai partagé, pour ceux qui étaient connectés hier, j'ai partagé l'audio, parce que c'est une vidéo. C'est une vidéo. Mais j'ai partagé l'audio. J'ai partagé l'audio. L'audio de cette femme, de la vidéo de cette jeune dame qui appelait mon nom pendant qu'elle se masturbait. Je pense que c'est ça qu'on appelle fantasmer, fantasmer sur quelqu'un. Donc on doit revenir sur cela. Et nous avons essayé d'aborder hier, j'essaie de revenir sur les exactions dans l'Église, des choses qui se passent dans l'Église et que nous seuls pouvons arrêter, nous seuls pouvons stopper. Donc partageons la vidéo s'il vous plaît avant qu'on entre dans le sujet de ce matin. J'ai dit que ce matin, ça sera un peu compliqué encore. Ça sera un peu compliqué. Ça sera compliqué. Donc je suis en train de fouiller quelque chose là. OK. Alors, je veux parler de mon remariage. C'est quelque chose qui est en train de chauffer. C'est quelque chose qui est en train de chauffer dehors. Et c'est quelque chose, je pense, qui se passe, qui s'est passé du côté du plein évangile. Du plein évangile. Donc, ça, c'est l'histoire de mon remariage secret. Et je voudrais qu'on essaie d'en parler. Donc, c'est une histoire qui a commencé du côté du plein évangile. Bon, qui est arrivée du côté du plein évangile. Pensez même à Berthois. C'est une affaire qui allait jusqu'à du côté de Berthois. Alors, hier, pour aller droit au but, je pense que les retardataires sont là et nous continuons à partager la vidéo et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui vont nous rejoindre après. Vous savez, mes amis, chacun d'entre nous, nous avons reçu un seul mandat de vie. Un mandat de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez autour de vous. Vous connaissez vous-même au moins une personne. Vous connaissez au moins une personne qui était avec vous, mais qui est morte. Vous le connaissez. Au moins une personne qui était avec vous, mais qui aujourd'hui n'est plus. Donc, ça montre simplement que nous avons un seul mandat de vie. Un mandat de vie, ça signifie que tu n'as pas deux vies. Nous avons un mandat de vie. Et j'étais encore en train, dans mes méditations personnelles depuis hier, j'étudiais un peu la vie d'Abraham, la famille d'Abraham, jusqu'à Keturah. Et j'ai dit que ce soir, je vais vous enseigner sur Keturah, la femme mystérieuse, la femme inconnue. Donc, j'ai vu ces gens. Abraham, il va mourir à 175 ans. Il va mourir à 175 ans. Sa femme, Sarai, va mourir, je pense, à 137 ans. Elle va mourir à 137 ans. Et 127 ans. 127 ans. Abraham aura 137 ans à l'époque de la mort de Sarai. 3 ans après, il va épouser Keturah, c'est-à-dire à 140 ans environ. Donc, mais ce qui est important, c'est que Sarah est morte. Abraham est mort. Keturah, qui est venue après, est morte. Après, Isaac a pris le relais avec Ismaël, avec les 6 fils de Keturah. Après, ils sont tous morts. Aujourd'hui, nous parlons de cette personne comme un souvenir. Toutes ces personnes sont devenues un souvenir. C'est de l'histoire ancienne. On en parle, mais ces personnes ne reviendront plus jamais sur la terre. À partir de ce moment, nous comprendrons que, quel que soit l'amour que Dieu ait eu pour un homme, ou quelle qu'ait été la justice d'un homme envers Dieu, il n'y a pas d'homme qui ait reçu de Dieu un double mandat de vie. Ça veut dire que nous vivons une seule fois. À cause de cela, il faut faire attention. Nous devons être très, 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 nous sentir très concernés par les choses qui nous concernent, par nos relations, par nos amitiés, par nos choix, par notre vie. Dans tous les cas, la chose qui doit me préoccuper sur la terre plus que toute autre chose, c'est ma vie. Et en ce qui concerne ta vie et ma vie,
Le Seigneur Jésus-Christ dira ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, c'est-à-dire sa vie, et la destination finale de notre existence qui devrait être la vie éternelle, c'est-à-dire la couronne d'or dans le royaume de Christ après notre mort, parce que c'est l'espérance ultime de chaque croyant sur la terre. Pourquoi est-ce que vous vivez? Moi, je vis parce que j'espère qu'un jour, je verrai Christ tel qu'il est dans la demeure éternelle et j'habiterai avec lui dans les saintes demeures. Donc, je crois en cela. Et donc, en tant que croyant, personne ne peut m'ôter cette espérance. Et la deuxième chose, c'est que Jésus dira, qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Donc, on peut dire quoi? Ton âme a un si grand prix que la création de Dieu tout entière ne vaudrait pas le prix d'une seule âme humaine. Mais il faudrait que chacun, chaque porteur d'âme puisse être responsable du grand prix, du prix incommensurable que représente son âme. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsqu'on a cette considération, ça fera en sorte qu'on fasse attention à la manière dont on mène sa vie personnelle. Que l'on puisse comprendre que, en fait, la vie que je mène, si la mort peut venir, on ne sait pas à quel moment la mort arrivera. Pour cela, je dois faire attention à ma vie. Attention à mes choix, attention à comment je vis, à comment je marche, à comment je m'habille, à ce que je mange. En fait, dans tous les cas, je dois comprendre que je n'ai qu'un seul mandat de vie. Maintenant, toutes les choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui, tous ces désordres qui se passent dans l'Église, tous ces scandales qui se multiplient de plus en plus, et surtout du côté de nos frères au Congo, parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas trop ça. Dans notre pays, on n'a pas encore eu cette tension. Cette tension n'est pas encore autant élevée qu'au Congo. Au Congo, vous verrez que les hommes de Dieu, tous les jours, sont surpris avec les femmes, dans les hôtels ou bien même dans leurs lits conjugaux, etc., etc. Tellement, tellement de scandales, des audios qui circulent. Et dans d'autres nations, mais je pense qu'en Afrique, je pense que le Congo est en tête. C'est-à-dire que Dieu a tellement béni la nation congolaise et en même temps aussi, en fait, les Congolais, l'église du Congo me rappelle un peu l'église de Corinthe. Ça veut dire que c'est un géant au pied d'argile. Il y a des géants, en même temps, il y a aussi de grandes faiblesses, etc. On a dit à quelqu'un, je te propose un frère, un mari congolais. Elle a dit non, pardon. Je ne veux, si les Congolais là, je ne veux pas. Pourquoi? On a demandé pourquoi. Et puis la personne a répondu que non, parce que les Congolais, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance aux Congolais. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas fidèles aux femmes. Et les femmes aussi pas fidèles à leur mari. Bon, je pense que ce n'est pas tout le monde. Je ne suis jamais allé au Congo. Mais à distance, c'est le point de vue qu'on a. C'est ce qu'on voit. C'est le reflet que l'Église du Congo donne. On a tendance à penser que les Congolais ne sont pas sérieux avec le sexe. Non, pas sérieux. Ça, ils sont convertis partout, sauf en bas, hommes ou femmes. Donc, c'était une parenthèse pour dire que les choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui, on devrait faire attention. En tant qu'homme de Dieu, nous sommes gardiens du seuil. C'est-à-dire, nous sommes gardiens de la porte de la maison de Dieu. Il faut qu'on s'arrête pour regarder. On va dans la maison de Dieu, on se dit, OK, telle chose-là, nous sommes en train d'aller à la dérive. À ce niveau, nous sommes en train de mal faire. À ce niveau-ci, nous respectons plus les principes bibliques établis par Dieu pour sa maison. Et Paul dira à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et Jésus a dit, en taute te petra, oikodomia somuter ecclesia, kai poulaï adou, ou katiskususin autes. Et dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Donc, l'église appartient à Christ. Hier, donc, j'ai partagé cette vidéo qui m'a été envoyée, parce que la personne n'a pas mon numéro en fait. La personne a envoyé ça à un de mes fils de l'équipe de la télévision, et c'est tombé entre les mains de ce fils-là. Et puis, il en a parlé à une de mes filles qui m'en a parlé. Et j'ai demandé de voir la vidéo. Et puis, on m'a envoyé la vidéo de cette femme. Mais je ne pouvais pas diffuser la vidéo parce qu'il faut respecter les intimités des gens. Même si c'était de la folie, il faut respecter les intimités des gens. Il faut respecter les intimités des gens. Il faut respecter les intimités des gens. Et la dame donc se masturbait avec mon nom. Et elle est à l'église. Je ne la juge pas, je ne la condamne pas. Parce que je ne suis pas Dieu pour juger ou pour condamner. Et je veux revenir sur certains commentaires que certains ont fait concernant l'audio, quand les gens ont suivi ça hier. Donc, nous n'avons pas le droit de condamner les gens, frère. On a plutôt le droit de prier pour les gens et de les aimer. Donc, je ne la condamne pas, je ne la rejette pas. Non, je ne la rejette pas.
Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est faite pour l'enfer ou bien qu'elle n'aime pas Dieu. Elle peut aimer Dieu, mais cependant, elle a été dépassée par les événements. Et ça, je peux comprendre cela. Je peux le comprendre. C'est normal que parfois, les gens perdent contrôle sur leurs sentiments et ça peut les amener à faire de folies. Mais on dit simplement qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Et si c'est arrivé, il faut qu'elle se repente et qu'elle puisse comprendre que ce n'est pas bien. C'est ce qu'elle a fait et qu'il faut se repentir. Et si elle se repent, le Seigneur lui pardonne et puis la vie continue, c'est tout. Il faut que les chrétiens comprennent cela. L'amour de Christ doit nous pousser toujours à aimer notre prochain, à aimer nos frères et nos sœurs, même quand bien même nous les verrons en train de faire des choses abominables. Mais cependant, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est là. C'est que c'est un cas qui s'est manifesté, mais il y en a. Et c'est important d'en parler en tant que berger d'un grand troupeau, j'ai la responsabilité de sensibiliser les jeunes femmes et l'église et les jeunes frères. Donc, je voudrais revenir là-dessus pour dire aux gens. Là, ce matin, je vais vous lire des messages, et moi, je suis dépassé, sincèrement. Je suis dépassé. Je vais lire ces messages et vous-même, vous allez en juger. Et ce sont des messages, il y en a toute une panoplie, il y en a toute une ribambelle, il y en a tout un conglomérat de messages de ce genre que je reçois. Mais j'en parle pour aider les gens, pourquoi? Parce que il y a des arnaqueurs qui se font passer pour moi et qui écrivent aux femmes et leur promettent des mariages. Et les femmes sont d'accord. Les femmes, ça dit que les gens tombent dans ces panneaux-là. Je ne comprends pas. Je suis dépassé. Je suis très dépassé. Tous les jours, j'explique. Quand vous voyez sur Facebook, tapez prophète de Cana Ferdinand, vous aurez plus de 20 profils. Et ce matin, j'ai communiqué avec l'un d'entre eux. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, ce que vous faites, c'est une malédiction extraordinaire que vous êtes en train de porter. Et en plus, quand vous serez vieux, vous vous rendrez compte que votre vie a été gaspillée. Parce que vous n'aurez rien réalisé. Vous verrez que vos enfants sont en train de payer le prix de vos péchés. Pourquoi? Parce que vous volez Dieu. Ce que vous faites, vous détournez les offrandes. Or, l'offrande est une chose consacrée. Et j'explique à ce jeune homme qu'il n'y a personne dans la Bible qui est touché à l'offrande et qui a échappé. Et il m'a répondu. Il m'a répondu, il m'a écrit que vraiment, c'est parce que c'est. Je vais revenir là-dessus peut-être lors d'un prochain direct. Donc il m'a dit que c'est parce qu'il est orphelin qu'il fait ça. Il oublie, parce que lui, on l'avait arnaqué. Donc il a décidé de se venger. Et il le fait pour nourrir sa famille. Et je lui ai dit, c'est une mauvaise façon de nourrir votre famille. Moi aussi, je suis orphelin de père depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais je me suis battu à gagner mon pain dûment et de manière juste. Donc c'est ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit que c'est mauvais. Donc revenons un peu sur ce cas. Des mariages, c'est un cas de mariage sérieux dans la ville de Yaoundé. Il y a une église qui s'est préparée. Il y a eu les pagnes que les gens ont achetées. Les gens ont acheté les pagnes. Et un dimanche, donc, on m'attendait dans cette église, une assemblée du plein évangile, quelque part dans la ville de Yaoundé. On attendait donc le prophète Kané Ferdinand, je devrais venir présenter dans cette église, me présenter, leur dire que bah, si je suis en train d'épouser votre fille. Mais ce dimanche-là, je ne suis pas venu. Et puis, ma future épouse, là, ma fiancée, là, entre guillemets, s'est beaucoup fâchée contre moi. Et donc, elle m'a écrit dans mon compte. Et j'ai dit hier, lorsque vous voyez les hommes de Dieu tomber, mes amis, avant de juger l'homme de Dieu, comprenons quand même un peu pourquoi l'homme de Dieu là est tombé. Cherchons un peu les circonstances, trouvons-lui une circonstance atténuante. C'est important. On ne condamne personne sans avoir fait des enquêtes et sans l'avoir écouté. Oh, dans l'église, tout le monde a une seconde chance, tout le monde a droit à l'indulgence, tout le monde a droit au pardon, sauf les hommes de Dieu qui se sacrifient pour les brebis. Or, vous vous souvenez que même dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu ces problèmes et que Dieu est arrivé, il a appelé Adam et Ève et ils se sont cachés. Il leur a dit, qui vous a appris que vous êtes nus? Parce qu'ils ont dit qu'on a vu qu'on était nus et puis on ne voulait pas exposer, que tu vois notre nudité. Et puis Dieu leur demande, qui vous a appris même déjà que vous êtes nus? Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne les condamne pas directement, non. Il convoque tous les protagonistes. Il les met ensemble. Il met le serpent, il le pose là. Il prend l'homme, il met là. Il prend la femme, il met là. Il dit, OK, je vais écouter tout le monde. Il commence par l'homme qui est le chef du jardin. Toi, raconte-moi ta version. L'homme va ramener l'accusation sur la femme. Il dit, maintenant, madame, donne-moi ta version. Et puis, madame donne aussi sa version, elle accuse le serpent. Et Dieu se rend compte que le serpent, lui, il est rusé, puis il a de la condamnation sur lui. Et là, les sentences commencent à sortir. Donc, même Dieu ne condamne pas sans avoir écouté.
C'est ça, un état de droit. C'est-à-dire que Dieu est le président d'un état de droit. Nous devons comprendre que c'est important, c'est très important pour chacun d'entre nous de ne pas condamner directement les gens, mais d'essayer de comprendre, leur donner quand même une situation circonstance atténuante. Parce que si quelqu'un a déjà péché, déjà il est sous le coup du jugement et il a besoin de miséricorde. Et l'Église doit apporter de l'aide. Donc les hommes de Dieu sont des gens qui subissent dans l'Église, qui se sacrifient pour l'Église, mais qui n'arrivent pas à avoir des gens qui se sacrifient pour eux. Et ça, j'ai mal de le dire. Vous savez, j'ai expliqué quelque chose à quelqu'un un jour, il n'a pas compris. La personne m'a demandé, « Prophète, de quoi est-ce que vous avez le plus peur? Qu'est-ce que vous redoutez le plus ?» Je lui ai répondu, « La solitude. » Et il m'a demandé, « Votre plus gros problème, c'est quoi ?» Je lui ai dit, « La solitude. » Et il m'a dit, « C'est pas possible. » La solitude, comment? Pourtant, vous êtes autant entouré, autant en présomption d'innocence. Merci pour ceux, pour les académiciens en droit. Autant de personnes qui vous entourent et vous êtes. Donc, la solitude. Et vous êtes seul comment? Je lui ai expliqué qu'en fait, c'est pas parce que vous nous voyez entourés par la grande multitude que la grande multitude est avec nous. Non. Marcher, être entouré de beaucoup de gens ne veut pas dire sortir de la solitude. Jésus-Christ était entouré, mais au jour du malheur, tout le monde l'a fui, tout le monde l'a abandonné. Donc, j'ai dit à la personne, les gens nous entourent, c'est vrai. Mais combien sont prêts à mourir pour nous comme nous mourons pour eux? Parce que c'est un peu ça le problème. Le problème n'est pas d'être avec un homme de Dieu. Je leur ai dit, quels sont les intérêts, les motivations de ces personnes qui nous entourent et nous accompagnent tous les jours? C'est ça le problème. Et c'est là que le bât blesse en fait. La plupart d'entre nous, nous sommes entourés de personnes hypocrites, des personnes égocentriques, des personnes calculatrices, calculeuses, qui ont d'autres intérêts qui ne sont pas de mourir pour nous. C'est-à-dire que ces personnes sont avec nous pour ce qu'elles ont. En fait, je veux dire que nous sommes la mamelle nourricière de beaucoup de personnes. Ça veut dire d'autres peuvent avoir pour intérêt les finances, d'autres le matériel, d'autres la renommée, d'autres la gloire, d'autres les avantages spirituels, d'autres pour se faire voir. Mais combien dans cette multitude sont là pour rien? Ça veut dire juste parce qu'ils nous aiment, ils veulent mourir pour nous sans rien recevoir en retour de nous. C'est là que le problème devient très sérieux. Donc les hommes de Dieu, nous sommes accompagnés, mais on est seul. On est seul. Et puis autour de toi, à qui est-ce que tu vas confier tes secrets? À qui? À qui tu confieras tes secrets? C'est ça le problème. On va revenir aussi sur ce sujet. C'est sérieux, mes amis. Donc, on est entouré, mais on est seul. On est seul au bout du compte. Si un malheur sérieux te frappe là, on dit que l'église cotise, les gens vont disparaître. C'est ça la vérité que les gens ne comprennent pas. Donc, quand il y a des problèmes comme ceux-ci, des problèmes de scandale sexuel qui arrivent, et puis ça sort comme ça, et les gens sautent sur ça pour détruire les hommes de Dieu, vraiment, c'est parce que vous ne connaissez pas quelle est la souffrance des hommes de Dieu. Vous ne savez pas. Vous nous voyez rire, parfois comme ça, en joie. C'est pour vous que nous sommes en joie. Mais le fardeau que nous portons ne nous donne pas la possibilité d'être heureux, d'être en joie, d'être content. Non, quand on est seul là, nous portons la tristesse, l'angoisse, la désolation dans nos cœurs. Nous crions à Dieu, nos genoux sont fléchis devant Dieu, noircissent. Parce que nous voulons la solution. Le plus souvent même, on n'a même pas le temps pour nous, on a le temps pour vous. Mais au jour du malheur, c'est vous-même qui nous crucifiez encore davantage. Donc, voici donc un problème qui vient. Et j'ai dit aux gens, méfiez-vous. Il y a tellement d'arnaqueurs au nom de Kane Ferdinand. Moi-même, je suis embrouillé. Ça veut dire quand vous allez sur Facebook, moi-même, quand je tape et Kane Ferdinand, mais il y en a toute une panoplie de faux comptes en mon nom. Donc, lorsqu'il y a un prophète Kane Ferdinand qui vous vient déjà, vous demande l'argent, ce n'est pas moi. Il faut faire attention. Et j'ai mes WhatsApp officiels que je donne dans ma page, dans mes directs. Ça, ce sont mes contacts. Hormis ça, les gens m'envoient des groupes WhatsApp. Je n'ai pas un groupe WhatsApp. Un groupe de prière WhatsApp. Je n'ai pas de groupe de prière WhatsApp. Ils ont envoyé notre groupe ou bien pour contribuer, ou bien les partenaires. Nous n'avons rien de ce genre. Les annonces officielles sont celles que je fais de ma propre bouche en direct. Et il y a les gens qui ont des appels vidéo. Et Kane Ferdinand, les arnaqueurs prennent leur téléphone, ils mettent ça devant mes directs. Ils prennent des images où je suis en train de faire les directs. Et puis, ils mettent ça, ils parlent rapidement et ils raccrochent. Soit ils vous disent que c'est la connexion, je ne sais plus quoi. Donc, ces choses-là, il faut être intelligent. Lorsque quelqu'un t'appelle et qu'il est en train de parler avec toi en direct, tu verras sa bouche quand même.
Hein? Parce que les mots sont onomatopéiques. Donc tu verras de l'onomatopée dans la sonorité, la musicalité de ces mots. Donc il faut que les gens comprennent ces choses-là. Alors, je m'en vais lire rapidement ce message aussi. Donc voilà, Eva m'écrit. Ok, donc je remarque dans mon téléphone, ça c'est mon téléphone. Je remarque dans mon téléphone un appel mercredi 27 juillet à 21h06. Bon, ça c'est après que je suis remonté au-dessus. Mais ça, bonsoir, homme de Dieu, s'il vous plaît, je peux envoyer mon offrande de connexion par ce numéro. C'est Marie-Louise Seke. Bonsoir, tu es déjà engagé avec. Là, c'est dimanche. Dimanche, bonsoir. Tu es déjà engagé avec une autre femme. Tu ne me dis pas pourquoi vous êtes comme ça. Même les hommes de Dieu font ça. Je te vois avec une femme mûre que moi, mûre que moi. Elle a un teint clair. Je préfère taire le nom. Tu me bloques sur Facebook, sur WhatsApp, parce que tu vois une autre femme. Pourtant, tu m'avais dit après les 1 an de ta défunte épouse, on se marierait. Et souviens-toi que je me suis impliqué dans notre relation, même à distance. Je payais mes dîmes et je t'envoyais tes fruits par OM. Et certaines offrandes, Dieu le sait, et le jour de l'anniversaire de ta maman, je l'ai envoyé l'argent pour toi. Pourquoi tu me fais ça? Libère-moi. Dis-moi que tu as trouvé une autre femme. Quand tu allais me présenter le 4 février comme ta nouvelle fiancée, c'était pourquoi? Pourquoi tu peux aller jusqu'à ce point? Sois vrai avec moi. C'est depuis octobre 2021 que nous causons et tu m'as bloqué partout. Donc tu étais juste en train de jouer avec mes sentiments? J'ai des problèmes jusqu'à présent avec ma famille et mes leaders parce que tu m'avais dit d'en parler. Non, tu m'avais dit, parle-en à ta famille et mes leaders. Maintenant, à cause de la honte, je ne persévère plus. Dans mon assemblée, je suis maintenant chez le prophète Arsène Kamto. Et j'appelle le prophète Arsène Kamto pour lui dire, qu'est-ce que tu sais que tu as ma femme là-bas? C'est vrai qu'on n'a pas pu avoir l'occasion de s'appeler. Quand l'appel est occupé, et puis voilà. Il n'a pas compris ça, peut-être. Il va comprendre maintenant. Merci beaucoup pour ce que tu m'as fait. Seul le Seigneur saura gérer tout ça. Tu refuses de prendre mes appels? Merci beaucoup, je n'ai pas de force ni de défense. Jésus est ma force et ma défense, je te le jure. Et moi, donc, je découvre ces messages. C'est passé, pour dire vrai, mon téléphone, je n'entre pas trop dans les messages. J'ai des messages ici, que ce soit sur WhatsApp. C'est des dizaines de milliers de messages que je reçois. Donc, c'est un peu compliqué. Même mon équipe est débordée. Donc, c'est par hasard que j'entre dans les SMS. Et je découvre donc ces SMS. Alors, lundi, j'écris donc à la personne. Bonjour, madame Marie Sekeseki. Bonjour, madame Marie Sekeseki. Vous écrivez au prophète Ekane. Et la dame va répondre, oui, bonjour, homme de Dieu. Oui, je le sais. Je dis, je cause avec vous depuis. Si j'avais encore accès à votre messenger, je vous montrerais tous les messages et les transactions d'argent. Si je pouvais prendre un rendez-vous avec vous. Et j'ai répondu, et moi je ne vous connais pas. Et moi je ne vous connais pas. Vous vous êtes fait arnaquer, madame. Je parle de ces choses tous les jours, mais vous n'écoutez pas. Donc sachez que moi je vous connais pas. Elle répond, le 4 février 2022, vous devriez me présenter comme votre nouvelle fiancée dans votre direct. Je dis, c'était vous. Bon, maintenant, vous savez, j'avais fait, pendant le mois de janvier, je me suis retiré dans la présence de Dieu. Pendant un mois, c'est le 4 février que je reviens. Le 4 février, je fais un direct et moi, je fais mes annonces. J'ai ma manière d'annoncer mes choses. Donc, j'ai annoncé que j'allais présenter ma fiancée au monde entier. Et pour ceux qui ont bien écouté mon direct, je disais que ma fiancée, c'est mon ministère. C'était simple en fait. Pour tous ceux qui étaient connectés le 4 février. Donc des arnaqueurs ont pris ça pour arnaquer cette pauvre dame en lui expliquant que, comme j'annonce, elle voit que j'annonce que le 4 février, j'ai annoncé la fiancée là, donc c'est elle. Et beaucoup de femmes m'ont écrit pour dire, ok, je croyais que c'était moi. Hein? D'autres ont dit, ouf, de soulagement, donc, et tout ça.
Je dis, c'était vous. S'il vous plaît, tapez un peu mon nom, Facebook, Marie-Louise Seke. Vous lisez les publications, vous verrez là où vous avez commenté. Je ne commente pas les choses des gens sur Facebook. Je ne commente pas les choses des gens. Madame, bon, j'ai écrit, Madame, continuez à rêver et bonne chance à vous. Et elle m'a répondu, merci beaucoup, tout se paye ici-bas. Je dis, c'était vous. Devant Dieu, c'était vous. Et à chaque fois que vous étiez en direct, on causait. Chacun aura son salaire devant Dieu. Je ne rêve de rien. Je vous dis juste, et vous n'êtes déjà pas un super homme. Il y a des hommes qui valent mieux que vous. Donc à la fin, c'était la bagarre. L'amour était fini là-bas. Là, c'était le divorce déjà. Donc, bien aimé, voici donc ce cas de message. Une dame comme celle-ci, je vais faire comment d'elle? Je fais comment? Je vais la convaincre comment qu'elle ne parle pas avec le prophète Ferdinand Icardi. Je vais faire comment? Sincèrement. Tu ne peux pas. Et ça, je pense que c'est la deuxième fois que je reviens sur des choses, des sujets comme ceci. Vous voyez, c'est parfois fatigant. On a parlé, j'ai parlé d'un autre cas, d'une de mes filles, à l'église toujours. Elle est à l'église jusqu'à présent. Et elle m'a écrit que je lui ai promis le mariage et tout ça et tout, qu'elle m'envoyait aussi l'argent, 30 000 par mois, ou bien c'était par mois. Moi, je veux faire quoi avec 30 000 par mois, sincèrement? Je veux faire quoi avec 30 000 par mois? Vous causez, non, c'est 15 000, c'est 15 000. C'était pas 30 000, c'est 15 000. Vous causez avec le prophète Karim Ferdinand sur Facebook. Et il te demande, envoie-moi 15 000 par semaine. Je vais te demander l'argent comment? C'est moi qui dois te donner. C'est moi qui dois t'aider. C'est ça la vérité. Donc, elle était convaincue. J'ai dit à la dame que ce n'est pas moi. Moi, c'est quand on les arnaque, on les bloque partout, qu'elle vient donc retrouver mon WhatsApp, mon vrai WhatsApp, et elle continue la conversation dans mon WhatsApp. Je lui ai dit, ma fille, vraiment, calmez-vous, je vous en prie. Calmez-vous absolument. Venez à l'église, concentrez-vous sur l'évangile. Concentrez-vous sur l'évangile. Concentrons-nous sur Christ. Il y a vos frères, plein à l'église là-bas, qui sont célibataires. Tu peux te concentrer sur un d'eux. Fais une fixation sur un et tout. Mais quand je viens, je veux qu'un prédicateur, comme ton père, je viens t'enseigner la parole de Dieu. C'est bon qu'on fasse ce qui est droit devant le Seigneur, qu'on l'accomplisse. Bon, maintenant, si Dieu me met à cœur de t'épouser, est-ce que c'est toi qui dois venir me persécuter? Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Attends-moi, je vais venir. Sois patiente. Attends, je viens. Si Dieu dit que tu es ma femme, personne ne va changer ça. Moi-même, je ne pourrais rien faire. Qui suis-je pour résister à la voix de mon Seigneur ou à ses injonctions? Donc, mais il faut te calmer et tu restes tranquille. Tu attends le jour où la prophétie va s'accomplir. Si Dieu t'a dit que je suis ton mari, vraiment, je ne discute pas avec. Je suis qui pour discuter de la volonté de Dieu? Si Dieu t'a dit que ton mari, ce prophète Karim Ferdinand, vraiment, sois patient seulement, c'est que je viens. Donc, avant que je ne vienne, il ne faut pas commettre des gaffes. Il faut être patiente. Il faut être mature et tu dis à Dieu, Seigneur, toi qui m'as montré, je sais que ça va s'accomplir. Si c'est Dieu, ça va s'accomplir. Hein, ma soeur, ça va s'accomplir, tu restes juste tranquille. Maintenant, une femme comme celle-ci, son église était prête. Les pagnes ont été achetées. Ils ont vendu les pagnes. Maintenant, la question que j'ai posée à l'autre femme-là et que je pose à celle-ci, comment tu peux être en contact avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? Comment tu n'as jamais vu quelqu'un? J'ai demandé à l'autre dame, votre Karim Ferdinand, là, est-ce que vous avez eu un rendez-vous avec lui en plus d'un an de communication? Elle a dit non. Hein? Non. Est-ce que vous avez eu à faire un appel vidéo de 5 minutes, 6 minutes? Elle a dit, c'est de brefs appels vidéo. Quand on s'appelait, tu étais occupé. Et donc, tu dis seulement bonjour, chérie, coco. Et puis, tu raccrochais et on continuait par écrire. J'ai dit, attends. Donc, tu es en train de m'expliquer que tu es en train de te marier avec un homme. Vous êtes déjà en train de préparer, aller voir tes parents. Un homme en un an, tu ne l'as jamais vu. Tu n'étais jamais assis avec cet homme face à face. Tu n'avais jamais eu un appel audio. Jamais un appel audio pour que tu reconnaisses sa voix. Vous n'êtes jamais allé au restaurant pour mieux parler des préparatifs de votre mariage. En combien de temps? Un an, madame. Quel sens est-ce que ça? Bon, mais c'est que ça, quel sens? Quel sens, sincèrement? Donc, soyez prudents. Les arnaqueurs sont en train de faire mal là dehors avec mon nom. Et vraiment, je vous en supplie, il faut connaître vos pasteurs. Connaissez vos pasteurs. Si je cause avec toi, vraiment, je viens, je cause avec toi. Il n'y a pas de problème. Demande l'appel vidéo. Demande appel vidéo.
Donc, vraiment, ça, c'est encore d'autres cas que je viens de voir ici. Donc, non, s'il vous plaît, soyons prudents. Les femmes, soyez prudents. Je vous en supplie. Soyez prudents. Tous les hommes qui vous écrivent avec mon nom, c'est pas moi. Si vous causez avec un prophète Kané Ferdinand, demandez-lui un appel vidéo. Un vrai appel vidéo. Vous appelez. Parce que si je cause avec toi, si je cause avec quelqu'un, tu exiges l'appel vidéo. Je veux le faire. Pour que tu sois rassuré. Parce qu'il y a tellement, tellement d'arnaqueurs. Méfiez-vous. Méfiez-vous, les femmes. Méfiez-vous. Comment tu peux être avec un homme? Vraiment, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas un mendiant. Jamais. Personne ne peut se lever dans mon église. Depuis la création de notre église jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire que le prophète de Cana Ferdinand m'a demandé 5 francs. Je ne l'ai jamais fait. Même quand je n'ai pas, je préfère mourir que de demander. Je ne demande jamais. Jamais. Et puis vous connaissez quand même la carrure de la personne, que ce soit la carrure spirituelle, que ce soit l'envergure financière. Et que quelqu'un vient vous dire, il est le prophète Kané Ferdinand, il vous demande 15 000 par semaine ou par mois pour les fruits et ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Ou bien, même si vous demandez 10 millions, si vous me connaissiez, vous diriez que non, l'homme-là n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. C'est ça la réalité. C'est ça connaître quelqu'un par l'esprit. Hein? Jésus dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas connu. Hein? Dit Philippe, jusqu'à présent, tu ne m'as pas connu. Tu demandes encore que se montre le Père, celui qui m'avait vu le Père. Hein? Et il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Comment tu peux être, tu parles avec le prophète de Cana Ferdinand, il te demande l'argent, ça ne te met pas la puce à l'oreille. Ça ne te met pas la puce à l'oreille, que moi, il te demande l'argent. Mais tu vas te dire, non, mais l'homme-là, Dieu l'a béni. Dieu l'a comblé de toutes parts. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, sur la terre des vivants, si, moi, je pense que j'ai même accompli ma vie. J'attends seulement que Dieu m'agrandisse. Et que je continue, peut-être le ministère jusqu'à un certain âge, et puis je retourne au Seigneur. C'est ça la réalité. C'est qu'un homme peut accomplir sur la terre, rêver accomplir sur la terre. Moi, je l'ai déjà fait. Ça me va. Ça me suffit, sincèrement. C'est-à-dire, si je meurs aujourd'hui, je ne veux pas pleurer que j'ai existé pour rien. Non. Le Seigneur m'a fait grâce à mon jeune âge d'accomplir quand même quelque chose. Donc, on ne peut pas, quelqu'un vient, il dit qu'il va t'épouser, ce prophète Kané Ferdinand. Il va t'épouser. Non, je vais t'épouser, c'est toi ma femme. Et après, il te demande encore de l'argent. Toi, mais tu sais quel genre de femme, c'est toi qui payes maintenant ta dot. Hein? Toi, mais tu payes encore la dot comment? C'est à moi de te donner ou bien c'est à toi de me donner. Comment, moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je viens, je te demande l'argent. Hein? Je te demande l'argent. Je te demande d'abord le mariage, les mains. Je ne sais pas si je vais gérer bien les mains là. Et après ça, maintenant, il te demande encore l'argent. Et toi aussi, tu es une femme, tu prends ton argent, tu donnes à un homme qui vient pour t'épouser. Mon ami, si tu es une femme, tu es un homme, tu demandes ma main, tu me demandes l'argent, je te gifle. Je casse la spatule de ma main sur ta tête. Comme ça, demain, ça t'apprendra encore. Avec... Tu me demandes la main. La même, je ne sais pas si je vais te donner ça avec 10 doigts ou bien avec 8 doigts. Et tu viens ajouter maintenant qu'il te donne l'argent. C'est à toi de me donner ou bien c'est à moi de te donner. C'est ça la vérité. Donc il faut que les gens comprennent. Tu ne peux pas causer avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, préparer un mariage avec une personne que tu n'as jamais rencontrée. Moi, je ne comprends pas. I don't understand it. Jusqu'à aller dire ça à ton église. Les gens attendent un dimanche que moi, je vienne là. Je vais t'épouser. On ne s'est jamais vu comment. On doit quand même s'asseoir pour quand même faire des calculs du mariage. Toi et moi, on doit s'asseoir pour discuter. On doit se faire des appels audio, des appels vidéo et qui vont te rassurer. Maintenant, tu dis que tu as envoyé l'argent de l'anniversaire à ma mère. Envoie l'argent de l'anniversaire à ma mère. À ma mère, excusez. Tu as envoyé l'argent de l'anniversaire à ma mère. Quelle mère? Quelle mère? Donc, les femmes, s'il vous plaît, soyons prudents, je vous en prie. Moi, je vous ai dit hier que, vous savez, cette génération a besoin des femmes protectrices de la lampe de Dieu. Protégez-nous. 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 Parce que si un homme de Dieu est faible, et c'est là-bas que beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu les pédales. Je vous dis la vérité. Tu perds les pédales. Si tu es mal affermi là,
Mon ami, tu vas te retrouver avec un micro-baladeur dans le pantalon, entre les jambes. C'est ça la vérité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, c'est terrible. Bon, maintenant, avec ce genre de comportement même dans l'église, ça fait que tu as même peur de trouver une femme dans l'église. Et c'est ce que je vous ai dit hier. Le calme apparent que nous avons là, allez voir ce qui se passe dans le secret. Ce que nos femmes là font ou bien ce que nos hommes font dans les églises. On a même peur. Maintenant, on se demande, on va aller trouver même le mariage là où? On va trouver le mari où? Sincèrement, il faut nous protéger. Gardez-nous. On est des humains. On est des humains. Et la femme a un grand pouvoir, son sexe. La femme, le sexe de la femme, c'est un pouvoir puissant. Et je pense que le sexe est même le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme, parmi les quatre pouvoirs que Dieu a donné à l'homme qui font la divinité humaine. Le sexe est en premier. La Bible dit quoi? L'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Donc, le sentiment, le sentimental là, c'est comparé à la mort. C'est la seule chose que la Bible compare à la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul, face à cela, dit « Fuyez l'impudicité ». Il ne dit pas que « Résistez l'impudicité ». Il dit « Fuyez l'impudicité ». Il faut fuir. Donc l'impudicité, on ne résiste pas. Mon ami, tu ne peux pas dire que je suis fort, je vois une femme nue devant moi. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de lait de femme nue. Il n'y a pas de lait de femme nue. Parce que toutes les femmes sont belles en bas. C'est ça la vérité. Et les gens doivent comprendre ces choses-là. Donc, en connaissant ce pouvoir que Dieu vous a donné, gérez le bien. Sinon, vous risquez de détruire les églises. Vous allez détruire les assemblées. Détournez vos pasteurs du droit chemin. Or, nous avons besoin d'une génération de femmes qui peut dire à son pasteur avec respect et amour, « Papa, la mission est très grande. La mission est très grande. Vraiment, ce que vous me demandez de faire là, je ne peux pas le faire. Papa, je vais vous aider à accomplir votre mission. » Dans l'amour, le respect, et vous priez pour votre papa, vous l'aidez. Vous comprenez qu'à un certain niveau, il entrait. Bon, ce n'est pas que le papa, il te regarde seulement, les jambes sont déjà écartées. Maintenant, il te dit que non, il voyait le moustique qui passait sur ta tête. Mais toi, tu as écarté les jambes. Et ça pose un problème. Donc, on a besoin de femmes fortes dans nos églises. On a besoin de femmes matures dans nos églises. On a besoin de protectrices de la lampe de Dieu et non des noyeuses de la lampe de Dieu. On ne veut pas des noyeuses de la lampe de Dieu. Celle qui prend la lampe de Dieu, elle prend la lampe, tu crois qu'elle veut protéger ça? Elle va plonger ça dans une cuvette d'eau, une cuve d'eau. On a besoin de femmes réfléchies dans notre église pour notre propre sécurité. Il faut faire attention. Pour notre propre sécurité. C'est pour ces raisons que, personnellement, aujourd'hui, je me force, autant que cela est possible, de ne pas avoir de jeunes femmes parmi mes collaborateurs. Non, 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 non. Je préfère les mamans. Mais les mamans, là-même, on n'échappe pas. On n'échappe pas. On n'échappe pas. Moi, j'ai reçu une dame qui est venue me parler. Et elle m'a dit que Momi lui a dit en rêve. Momi lui a dit en rêve que vraiment, ma soeur, voici mon mari. Je suis parti, je te le laisse. Garde-le bien. En fait, ce n'est pas la seule personne qui m'a dit ça. Et vraiment, je n'aime pas, moi je ne peux pas épouser les pasteurs, mais Momi m'a forcé. Mais j'ai résisté, hein. Moi je lui ai dit non, non, même pas. Mais elle m'a dit, s'il te plaît ma soeur, prends mon mari, te laisse et je te confie Djemima, prends soin de Djemima. Encadre-le bien, je te donne mon mari, épouse-le. Je ne veux pas entendre qu'il a souffert, je ne veux même pas entendre que sa tête a fait mal. Elle a dit aussi oui. Elle me dit donc qu'elle a promis à Momi de ne pas la décevoir, qu'elle prendra bien soin de moi. Et... Non, mes amis, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Même si Dieu te montre que je suis ton mari, je n'en disconviens pas. Tu m'as vu me fâcher. Et si tu m'as vu m'opposer, allons seulement. Mais attends-moi. Attends que je vienne. Si c'est Dieu qui t'a dit, il me dira. Et si Dieu vient me dire, Ferdinand, mon fils, voilà ma fille, va l'épouser. Tu crois que le soleil va se coucher avant que je vienne chez toi? Même à pied, je veux courir, s'il n'y a pas de carburant, je cours, je viens. Tu vas seulement voir devant ta porte, je viens, je te prends. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne, je m'en fous. Celui qui est d'accord de notre mariage, il est d'accord. Celui qui est jaloux de notre mariage, ma soeur, il est jaloux. Toi et moi, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Donc, tu n'as pas besoin de faire des folies pour revendiquer ce que Dieu t'a dit. Reste tranquille, j'arrive. I'm coming. Midowara. J'arrive, reste tranquille. Je vais venir, faut pas forcer.
Quand Dieu t'a déjà dit, dis-lui que Seigneur, j'attends mon mari. Tu m'attends, je viens. Il faut rester tranquille. Calme-toi, I'm coming. Je suis en route. Mais il faut garder ta dignité et ta noblesse. Mais je dis aux femmes dans nos églises, changeons de mentalité. Parce que beaucoup de pasteurs sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est toujours nous qui nous moquons de nous. Nous nous moquons d'eux. Nous les insultons. On dit voilà les faux prophètes. Mais on ne cherche pas, on ne voit pas le grand nombre de femmes. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, il esquive la balle de telle fille. Il esquive la balle de l'autre fille. Il esquive celle-là. Après, pam, il y a une balle perdue qui le prend. Bim, il est par terre. Le gars tombe. Tu vas pas quand même, tu esquives toute ta vie, tu esquives. Mais la vérité, mon ami, c'est mauvais. L'apôtre Paul a dit que quand tu esquives, moi-même, je suis en train de réfléchir. Parce que le genre de combat, si c'est fort, tu esquives là, ça te dépasse, pardon, c'est mieux de se marier. C'est mieux de se marier. Paul a dit, c'est mieux de se marier que de brûler. Tu esquives un, tu esquives deux, tu vois que les balles là, et c'est une armée de femmes. Si c'était deux filles, trois filles, quatre filles, d'accord, tu dirais, et ce que je dis en public, si beaucoup d'hommes de Dieu le subissent, ils ne parlent pas, ils meurent. On souffre, mes amis. On souffre. Je souffre. Vraiment, je suis désolé de le dire, mais je souffre. Si ton cœur n'est pas droit, ton cœur n'est pas fermé, mais tu vas te retrouver en train de devenir frivole. Tu es frivole. Maintenant, tu luttes contre le diable. Tu pourchasses les démons. Mais les femmes te pourchassent. Tu cours jusqu'à... On te regarde le pantalon, il est déjà lambeau. On ne sait pas si c'est le pantalon que tu as ou si c'est le patari que tu as sur toi. C'est mauvais. Non. Nous sommes défigurés. Vous voyez vieillir avant le temps comme ça. On souffre, mes amis. Pourquoi? Parce que nos filles ne sont pas pour nous une sécurité ou bien des havres de paix. Beaucoup d'hommes de Dieu sont séduits par leurs propres enfants. C'est-à-dire que c'est des bénévoles. Le diable lui-même, avant de préparer ces gars, il trouve que nos filles nous ont déjà achevés. Quand le diable amène ses Amazones ou ses Amazoniennes, il trouve que l'homme de Dieu, ses enfants l'ont déjà violé. Il est à part terre, il est fini, l'onction est finie. La tête a été rasée jusqu'à même un peu, la peau même a été un peu arrachée là. C'est-à-dire le gars même n'aime pas qu'on colle bon seulement, mais les filles ont tellement arraché ses cheveux que le sang coule sur sa tête. Et le diable dit, ah donc, ses propres enfants ont déjà fait la mission. Et il prend ses Amazoniennes. Pour ces Amazones, pour les amener ailleurs. C'est ça la vérité. Vous nous exposez, mes amis. Vous nous faites du mal. Vous nous faites vraiment du mal. Et toi, tu peux penser que tu es la seule femme qui le fait. Mais tu ne sais pas qu'il y a d'autres aussi qui le font. Et mieux que toi. Et sur la même personne. Et des coups répétés. Et c'est pour ça que certains hommes de Dieu ont pété leur plomb. Et puis, ils se sont retrouvés en train de céder aux femmes. Et ils sont devenus des monstres. Dans leurs églises, ils sont devenus des coureurs de jupons. Parce que la réalité, c'est que dès que tu touches... Voici un commentaire d'une femme, Hortense Mba. Hortense Mba dit que nous tous, nous souffrons aussi. Que même les femmes... Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, j'avoue, nous tous, on souffre, Hortense, c'est vrai. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, bien, ce n'est pas seulement nous les hommes, nous tous, les femmes aussi souffrent. Parce que le mariage est devenu très compliqué dans l'église aujourd'hui, c'est vrai. Ce n'est pas facile pour personne. C'est compliqué pour nous tous. Nous les hommes, on a les problèmes. Les femmes aussi sont dans les problèmes, je comprends Hortense, c'est vrai. Donc, supportons-nous seulement. Seulement, ne nous entretions pas entre nous. Ne nous entretions pas. Vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de votre pasteur debout. Sinon, qui va encore prophétiser, te guérir, etc. Donc ce soir, nous avons atmosphère de miracle en direct à la Bire. Je veux que tu sois connecté ce soir, s'il te plaît. Nous sommes dans le mois de la gloire. Le thème de ce mois de la honte à la gloire. Dieu a quelque chose pour ta vie. Ce soir, Dieu va nous faire voir. Ce mois, c'est le mois de la gloire. On doit entrer dans la gloire. Que Dieu te bénisse. Et je pense qu'avec toutes ces choses-ci, il nous faut un séminaire pour le mariage, sur le mariage encore. Il nous faut un séminaire sur le mariage. Je crois que ça, c'est important. Il faut un séminaire sur le mariage, que Dieu vous aide. Et vous savez, avant que mon épouse ne retourne au Seigneur, elle m'a donné une prophétie. Elle m'a dit, mon mari, si je meurs, tu vas beaucoup souffrir. Les femmes ne vont pas te laisser. Et j'ai vu, c'est pas facile dans tous les cas, c'est compliqué. C'est compliqué, priez pour nous. Pardon, ne facilitez pas la tâche à Satan, ne facilitez pas la tâche au diable.
ne facilitez pas la tâche au diable, ne nous rasez pas les têtes. Je veux dire à toutes nos sœurs qui sont dans nos églises, s'il vous plaît, toutes les sœurs qui ont les lames de rasoir à déposer, pardon. Qu'est-ce qu'il y a que tous les jours, chanter d'esquiver les lames de rasoir. Tous les jours, il faut esquiver. Tu masses ta main sur ta tête comme ça parce que tu ne veux pas qu'on rase tes cheveux. Et c'est comme ça que ça devrait être. Et c'est ça devrait être comme ça. Non. Du vivant de Momi, c'était compliqué déjà pour nous. Heureusement que c'est elle qui gérait tous mes téléphones. Tous les téléphones. Donc, il y a des choses qui étaient sérieuses. Bon, maintenant, elle n'est plus là. Ça devient autre chose. Donc, je voudrais dire à toutes mes sœurs, toutes mes filles, celles qui sont dans notre ministère ailleurs, celles qui sont en contact avec moi de façon directe ou indirecte, s'il vous plaît, déposez les armes. J'appelle toute cette armée de jeunes femmes à déposer les armes. Déposez vos lames de rasoir. Je vous en supplie. Moi, il y a une dame qui m'a écrit. Je vais lire son nom. Elle m'a dit clairement. Elle m'a clairement dit que vraiment, je vais répondre à tous vos fantasmes sexuels, même si c'est quoi. Je vais répondre à tous vos fantasmes sexuels. C'est pas bien. C'est pas bien. Je me sens en danger. C'est mauvais. Donc moi, je pense que donc, c'est pas bon. J'en appelle à la paix, à l'armistice. Que toutes les armes soient déposées. Que la guerre s'arrête. Parce que ce n'est pas une bonne guerre. C'est une guerre fratricide. On n'en a pas besoin. En tant que peuple de Dieu, nous n'en avons pas besoin, s'il vous plaît. Sauvez nos vies, sauvez vos hommes de Dieu. Venez nous au secours. Aidez-nous. Et je veux dire à toutes les femmes qui m'écrivent sur mes numéros WhatsApp, je vous en prie, écrivez-moi pour vos problèmes. Je suis là pour vous. Je suis votre père. Moi, je ne vous condamne pas. Je ne condamne personne. Mais je dis juste que ce n'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon. Excusez-moi si je suis indécente dans mes propos. Choisissez-moi, Daddy. Au lit, j'accomplirai vos fantasmes les plus fous. Je sais y faire. Vous ne serez pas déçus. Je vous aime de tout mon cœur. Bon, maintenant, ça, c'est une autre qui m'a écrit. Moi, je pense que ces choses-ci sont normales. Aimer n'est pas un péché. Tomber amoureux, ce n'est pas un péché. Il faut que les gens comprennent cela. Avoir des envies avec quelqu'un qui vous plaît n'est pas un péché. Mais accomplir ces envies-là, c'est là que ça devient un problème. C'est là que ça devient un problème. Donc, je voudrais tout simplement expliquer que je suis votre père. Je vous aime et je sais que vous m'aimez. Et je sais aussi que, ce qui vous arrive est normal, mais je dis qu'on peut surmonter ça. Donc, s'il vous plaît, surmontons ça. Surmontons ça ensemble. Et je prie pour vous. Vous priez aussi pour moi. Priez pour moi comme je prie pour vous. Et on va s'en sortir. Dieu vous donnera des maris mieux que moi. Meilleurs que moi sur tous les plans. Vous serez bénis. Vous serez heureux. Mais j'en appelle à la prière. Pardon, priez. Ayez pitié. Ma prière pour vous, c'est que vous vous mariez. Ce sera bien pour vous et votre ministère. Ça, c'est Laetitia Ildepondo.
Donc, priez pour moi, je vous en prie. Je vais, j'en appelle au secours, je crie au secours. Voilà, quand on vous écrit pour nos problèmes, vous ne répondez pas. Là, c'est aimer ma belle. Aimer ma belle, vraiment, je demande pardon. C'est que c'est compliqué, s'il vous plaît. C'est compliqué, ça je le reconnais. Et je suis en train de travailler pour arranger ce problème. On va trouver une grande solution. C'est qu'on doit donner. Il y a une équipe qui gérait déjà mes comptes. Et on est en train de préparer une autre équipe. Mais je me suis rendu compte que l'équipe qui gérait mes comptes, plutôt les jeunes gars là-bas, étaient en train de draguer les femmes. Il y avait mon compte. Donc, on a dû arrêter d'abord pour refaire une autre équipe. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de messages. Donc, c'est un peu compliqué. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et priez pour moi, je vous en prie. Priez, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Et mes jeunes sœurs, je vous en supplie, déposez les lames de rasoir. Déposez les couteaux. Déposez tous les rasoirs. Même si le rasoir bique, je vous en prie, déposez ça et priez pour moi et protégez-moi. Vous avez besoin de moi pour plusieurs années encore. Donc, que Dieu vous bénisse. Je donne le numéro WhatsApp. Voici mes numéros WhatsApp. Mes numéros WhatsApp sont simples. Tu peux même en train de mourir derrière quelqu'un qui ne ressemble en rien à la gloire que Dieu a pour toi ou au mari que Dieu t'a réservé. C'est quand tu vas te marier que tu vas comprendre que moi, là, je suis zéro. Premier numéro WhatsApp, 672 13 03 23. 672 13 03 23. Ça, c'est mon premier numéro WhatsApp. Ça, c'est mon numéro personnel. Vous écrivez ici, vous êtes en sécurité. Tout autre numéro WhatsApp, ce n'est pas le mien. Deuxième numéro WhatsApp. Je te le donne. 692 40 71 86. 86. Précédé du plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. 692 40 71 86. Précédé du plus 237. Alors, je conclue en disant ceci. Aimer un homme de Dieu, tomber amoureux de son père, n'est pas un péché. Avoir des sentiments pour quelqu'un n'est pas un péché, c'est un sentiment naturel. Mais c'est quand on gère mal, quand on déborde, on sort du cadre de ce qu'on ressent pour aller maintenant vers l'action. C'est là que ça devient un problème, c'est là que le péché intervient. Donc je ne juge personne. Je ne condamne personne. Et je vous comprends, mais je dis, c'est pas bien, on peut faire mieux. Soyez mature, priez pour moi, protégez-moi. Et si Dieu vous a dit que je suis votre mari, personne, personne, personne ne peut empêcher ça. Ce que Dieu a dit arrivera toujours. Il dit, Apocrypte, au Pilatos, au Gégrapha, Gégrapha. Et Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc si Dieu a dit que je suis ton mari, attends-moi, j'arrive. Que Dieu te bénisse. En attendant, retrouvons-nous ce soir à partir de 16h. Pour atmosphère de miracle sur ma page pour ceux qui ne seront pas là. Pour tous ceux qui sont dans Yaoundé, ne reste pas à la maison, viens sur place, un nouveau mois. C'est la première rencontre que j'ai avec vous, donc sois présent pour l'inauguration du mois d'août. Que Dieu te bénisse, shalom. Bye. Love you.